Chérie, je dois m'occuper de Virtuose. Il a encore avalé un paquet de chewing-gum. Oh. Je suis dans le cabinet juste à côté. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Ne t'en fais pas, maman. Je me débrouille. Encore bon anniversaire, ma chérie. Et un robot pour Jérémy. Ça va lui plaire, c'est sûr. Non, c'est pas pour toi. Qu'est-ce que tu fais, Martine? Je finis d'emballer des cadeaux pour offrir à mes invités. Il n'y a que toi pour offrir des cadeaux aux autres pour ton anniversaire. Ça y est, Martine, j'ai fini de mettre la guirlande. C'est parfait, Alain. Merci. De rien. Aujourd'hui, on est là pour t'aider. Et faire attention à ce que Patapouf ne mange pas tous les gâteaux. Allez, voilà. Bonjour, Virginie. Salut. Émilie. Ah ouais, Émilie, c'est ça. Ça va? Non, pas vraiment. Je m'ennuie. Et toi, tu fais quoi? Je vais à l'anniversaire de ma cousine, Martine. Oh, t'en as de la chance. Ouais, c'est sûr. Peut-être que tu veux venir? Avec plaisir. Merci, c'est trop gentil. Oh, merci Rico. Je suis contente que tu aies pu venir. Ouais, normalement, je vais pas aux anniversaires. Mais bon, comme t'as insisté... Rico est invité. J'espère qu'il va pas tout gâcher. Installez-vous. Vous allez voir, j'ai prévu plein de jeux. Oh, ça doit être Virginie. Il manque plus qu'elle. Oui. Salut Virginie. Au revoir. Salut Émilie. Je me suis permise de l'inviter. Ça te dérange pas, j'espère? Non, non, ça va, pas de problème. Bon, comme tout le monde est là, que la fête commence. On va jouer à Trouve Nature. On part tous en même temps et le premier qui revient avec une feuille d'arbre, une pâquerette et un champignon a gagné. Prêt? Oui! Oh, oh là là! 3, 2, 1, part! Tu sais, Martine, ton jeu a l'air sympa, mais on pourrait rapporter des trucs plus drôles. Mais les pâquerettes, les champignons, c'est amusant, non? Franchement, pas trop, non. Regarde, le premier qui rapporte une chaussette sale! C'est parti! Hein? Ça y est, gagné! Ouais, bravo Rico, t'as gagné! T'es le roi des crados! Il y a toujours un ballot pour tomber dans le panneau. Elle est vraiment marrante, Virginie. J'ai préparé plein de chansons géniales. Allez, venez danser, les amis. Moi et toi. Cette musique est un gnangnan. Je suis sûre qu'en ville, vous avez meilleur goût. C'est clair. Tu devrais nous montrer. Là, je pense. Ça ferait tellement plaisir à Martine que sa fête soit réussie. Le prend pas mal, Martine. Mais on écoute cette musique quand on a 4 ans. Martine a toujours eu des goûts de bébé. C'est bien connu. Voilà, ça.
c'est pareil, c'est de la soupe. Et c'est surtout parce que tu sais pas la danser. Pas vrai, Rico Crado. Pourquoi Virginie a changé la musique? Je préférais la tienne. T'es mignon. Mais Virginie a raison, il faut que je grandisse. Surtout le jour de mon anniversaire. Mais moi, je veux pas que tu changes. Je t'aime comme tu es. Quand est-ce qu'on mange le gâteau, Martine? Je ne sais pas, normalement, c'est pas à moi de m'en occuper. Mais tu as raison, le gâteau risque d'être moins bon si on attend trop. Ce serait génial si tu nous apprenais la choré qui va sur ta chanson. Oh oui, apprends-nous la choré, s'il te plaît. Ok, pourquoi pas. D'anniversaire. Un conseil, remets ça à plus tard, tu vas casser l'ambiance. Et on recommence. Martine, moi aussi j'aimerais bien aller faire la choré avec eux. Mais bien sûr, va t'amuser, on servira le gâteau plus tard. Elle a l'air contente. On dirait juste qu'elle a pas envie de danser. Elle abuse, ta cousine. Et puis c'est ton anniversaire, mais elle fait comme si c'était le sien. Mais non, c'est seulement que tout le monde aime Virginie. Elle est super. Tu pourrais distribuer les cadeaux. Super idée. Comme vous avez tous bien assuré sur la choré, vous avez droit à un cadeau chacun. Ouais, merci. Les cadeaux. C'est normal. C'était des cadeaux personnalisés. Elles ont tout mélangé. Cette fois, elles ont dépassé les limites. Tu dois reprendre le contrôle de ta fête, Martine. Conseil de guerre dans ma chambre. Et si on l'enfermait dans les toilettes? Comme ça, on serait tranquille pour l'après-midi. Ça va pas. C'est bien trop méchant. Virginie ne mérite pas ça. Il faut plutôt inventer un jeu ou une activité que tout le monde voudrait faire. Ouais, bon, une activité cool. Je sais, un rugby salon. C'est comme un rugby, sauf qu'on le fait dans le salon. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Écoute, je sais pas quoi, mais faut que tu trouves quelque chose qui assure. Oh, j'ai trouvé, viens. Je vous propose une activité géniale, les amis. Chacun dessine le cadeau dont il rêverait pour son anniversaire. Tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de limite. Ok, Martine. C'est parti. Ouais, super jeu. Moi, je vais faire un robot astronaute. Le rugby salon, ça aurait quand même été plus drôle. Regarde, Virginie. Moi, j'ai dessiné Rico Crado. Ce jeu est ennuyeux. L'ambiance est carrément retombée. Toi qui es si créative, tu devrais remettre un peu de piment. Écoutez, j'ai une idée pour rendre ce jeu plus... drôle, parce que là, on s'ennuie sec. Alors, chacun va dessiner le portrait d'un autre invité présent dans la pièce. Waouh, c'est une super idée. T'es géniale, Virginie. Oh, c'est vrai qu'elle est géniale. J'ai aucune chance. Elle a toujours de meilleures idées que moi. Moi, j'ai déjà dessiné Rico Crado. Ça suffit maintenant. Vous allez pas vous moquer de moi toute la journée. Rico, Désolée, Virginie, c'est pas toi qui... T'es jalouse de moi parce que tes amis me trouvent plus cool que toi, c'est ça?
Je ne savais pas qu'il y avait un concours de la fille la plus cool. En tout cas, au concours de la fille la plus envahissante, c'est toi qui gagnes. Et facilement. Et toi, si tu crois que je n'ai pas remarqué ton petit jeu, tu fais tout pour monter ma cousine contre moi et saboter ma fête. C'est pas de ma faute si tes amis préfèrent Virginie. Tu passes tellement inaperçu, ma pauvre. C'est vrai qu'on n'a pas été très sympa avec Martine. Ouais, on n'a pas fait attention à elle alors que c'est son anniv. Vous n'avez pas à vous sentir coupable parce que Martine est moins marrante que Virginie. Il est temps que tu rentres chez toi, Émilie. T'as assez créé d'ennuis comme ça. Tu n'es pas chez toi. Tu n'as pas à dire qui reste ou qui part. Je suis pas chez moi non plus, mais si tu tiens ta robe, tu ferais mieux de déguerpir. De toute façon, vous êtes tous des gros nuls. Désolée pour tout à l'heure. C'était pas toi que Rico visait. Et puis, je ne pensais pas vraiment tout ce que je t'ai dit après. J'étais énervée. C'est pas à toi de t'excuser, j'ai accaparé l'attention de tes amis. Mais c'était si agréable d'être entourée. Je me sens si seule ici, mes copines de la ville me manquent tellement. C'est moi qui suis désolée. J'ai gâché ton anniversaire. Tu n'as rien gâché du tout. Mon anniversaire n'est pas encore fini. Et mes amis sont trop contents que tu sois là. Et moi aussi d'ailleurs. Je suis désolée, je t'ai pas trouvé de cadeau. Je sais pas ce que vous aimez à la campagne. Bah, à la campagne, on aime la même chose qu'en ville. S'amuser. Et la choré que tu faisais tout à l'heure avait l'air très amusante. Alors si tu veux bien, musique, Virginie. Ouais.